Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le parquet général de la République du Burundi indique avoir ouvert deux dossiers judiciaires pour poursuivre en justice le mouvement Red Tabara suite aux attaques récemment menées et revendiquées dans les localités de Wuringa en province Bubanza et Bugido de la province Gatumba, plutôt de la zone Gatumba. En province Bujumbura. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et le numéro 1 Burundi met en garde les sociétés qui ramassent les ordures en mairie de Bujumbura. Selon lui, ces sociétés n'effectuent pas correctement leurs tâches alors qu'ils sont rémunérés. Le chef de l'État burundais promet de suspendre leur activité si elles ne changent pas leur manière de travailler. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Deux dossiers judiciaires ont été ouverts au parquet général de la République pour poursuivre le mouvement Red Tabara suite aux attaques terroristes menées dans les localités de Wuringa et Vugizo de la zone Gatumba. Dans un communiqué lu ce jeudi par le procureur général de la République, Léonard Manirakiza, il a indiqué que la justice burundaise fera tout son possible pour que ces terroristes soient traduits devant la justice. Suivez-le. Pour toutes ces deux attaques consécutives, deux dossiers pénaux ont été ouverts contre les terroristes du mouvement Red Tabara. L'un porte le numéro RMP 23315-NP pour les faits commis à Vugizon et l'autre porte le numéro RMP 28197-NJC relatif aux faits criminels commis dans la localité de Buringa. Au regard de ce bilan macabre, nous nous rendons compte que les terroristes du mouvement Red Tabara visaient les civils et non des militaires, dont des enfants et des femmes. Pire encore, pour l'attaque de Buringa, ces criminels terroristes ont surpris un ménage qui était en deuil et ont ainsi ajouté le mal au mal pour endosser la responsabilité du plus pire que jamais dans deuil sur deuil. Cela montre clairement que les terroristes, comme le nom l'indique, ont choisi son seul chemin d'égarement ténébreux pour abreuver de force le sort burundais du sang des innocents fils et filles. Ce crime odieux tombera sur ces barbares terroristes. La justice burundaise, via le parquet général de la République, est plus que jamais déterminée à poursuivre les auteurs terroristes, les co-auteurs et les complices jusqu'à leur condamnation pour une répression exemplaire. C'est pour cette raison que nous invitons toute personne éprise de paix et d'une cohabitation pacifique à coopérer avec la justice en dénonçant tous ceux qui ont trempé dans cet acte ignoble et barbare en vue de les traduire en justice. La justice sera rendue aux familles des victimes et à toute la nation burundaise entière. Je vous le disais en titre, le chef de l'État burundais promet de suspendre les sociétés qui ramassent les ordures ménagères en mairie de Bujumbura si elles ne changent pas leur manière de travailler. C'était lors de la prière organisée chaque jeudi du fin du mois par le parti au pouvoir. Évariste Ndayishimiye explique qu'il n'est pas compréhensible qu'elle collecte de l'argent sans pour autant dégager des déchets ménagers. Suivez le président de la République traduit en français par notre confrère Arondo Aetsu. Le problème de gestion des ordures ménagères et des immondices en mairie de Bujumbura monte fort. Les gens payent aux sociétés qui ramassent les ordures ménagères et les immondices, mais parce qu'ils les ramassent dans vos ménages seulement et laissent ceux qui se trouvent en dehors des enclos, vous n'en dites rien. Est-ce que les rémunérations n'est pas au compte de tout le quartier? Pourquoi est-ce que vous n'en réclamez pas alors que chaque ménage contribue pour ça? Maintenant, je suis au courant.
Je vais appeler ces sociétés. Si je retrouve des ordures dans les quartiers, je vais les rayer sur la liste. Tous les frais qu'on donne sont payés pour la propriété du quartier. Mais parce que vous n'en êtes pas conscient de l'intérêt commun, vous n'en demandez rien à ces sociétés pour accomplir bien leurs tâches au quartier. Ces frais que vous donnez sont pour quoi faire? Est-ce que vous le saviez? Ces sociétés sont payées et ces frais que vous payez sont pour la propriété de vos quartiers. Mais parce que vous en êtes ignorant, vous n'en faites rien, s'il vous plaît. Dès demain, ils doivent enlever tous les ordures sans exception, sinon on résilie leurs contrats et on cherche d'autres pour le faire. Les parents sont appelés à faire tout leur possible pour nourrir leurs enfants afin qu'ils puissent suivre correctement leur cours. Cet appel a été lancé par François Habyarimana, ministre de l'Éducation nationale, à la veille de la célébration de la Journée africaine de l'alimentation scolaire. Les représentants des pays de l'Union africaine qui exécutent le projet de la cantine scolaire, quant à eux, ont recommandé la protection de l'environnement pour la réussite de ce projet. Le point avec Lydie Gahimbari. Les représentants de 15 pays membres de l'Union africaine qui sont présents au cours d'une réunion technique sur le programme de l'alimentation scolaire ont échangé sur l'importance de la mise en œuvre de l'alimentation scolaire à base des produits locaux. Ils ont souligné, entre autres, l'augmentation des résultats scolaires, la nutrition équilibrée, la création de la capitale humaine et le développement des économies locales. François Habyarimana, ministre de l'Éducation nationale, appelle les Africains en général et les Burundais en particulier à s'approprier à l'alimentation de leurs enfants. Un autre aspect que je voudrais souligner est l'appropriation de ce programme d'alimentation scolaire par nous les parents, par nous les Africains. Il est vrai que nos partenaires appuient nos pays dans la mise en œuvre de ce programme combien important. Mais l'accès universel à l'alimentation scolaire incombe d'abord à nous, les Africains. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas besoin de tels appuis, mais nous avons l'obligation de tout faire pour que nos enfants puissent bénéficier d'un repas sain et nutritif à l'école si nous voulons améliorer leur performance, que nous soyons appuyés ou pas. Il a également remercié les pays comme le Brésil, Côte d'Ivoire, le Bénin et le Sénégal qui ont inspiré le Burundi dans le programme de l'alimentation scolaire. Nous avons bénéficié de l'expérience et de l'accompagnement d'autres pays amis pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Sans prétendre être exhaustif, je citerai le Brésil, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, qui nous ont fort inspirés. Je ne doute pas que les représentants de ces pays sont dans cette salle. Nous disons grandement merci pour leur amitié, leur franche collaboration, qui par ailleurs ont toujours caractérisé le peuple africain. Les participants à cette réunion technique sur l'alimentation scolaire à base de produits locaux trouvent que la réussite de ce projet va de pair avec la protection de l'environnement. La 9e journée africaine de l'alimentation se tient à Bujumbura au moment où l'année passée s'est tenue en Côte d'Ivoire. Page justice pour continuer avec ce journal. Il s'observe des lacunes en matière de réinsertion sociale des prisonniers libérés. Cette analyse a été faite par Maître Minan Salvatore, avocat du barreau de Bujumbura, après qu'un ancien détenu récemment libéré de la prison de Rutana par la grâce présidentielle ait été attrapé en train de voler dans la ville de Bururi, puis incarcéré juste après une semaine. Il interpelle les pouvoirs publics à organiser des séances de sensibilisation. Suivez-le. Il est possible que les raisons qui vous ont envoyé à la prison subsistent au moment de votre libération.
Il suffit de donner l'exemple. Si vous avez été là parce que vous aviez volé, commis un vol simple, à cause de la pauvreté notamment, et que après la peine que vous venez de purger, vous restez toujours pauvre, vous pouvez toujours voler. Et si vous volez, la loi n'est pas clémente. On va toujours vous appréhender et vous y envoyer. Ou alors, si vous avez commis l'infraction parce que vous aviez l'ignorance de la loi, disant « je ne savais pas que ceci constitue une infraction », et qu'après la peine que vous venez de purger, vous êtes toujours ignorant par rapport à la loi, vous commettez encore une fois l'infraction, eh bien, on ne va pas ne pas vous envoyer encore une fois là-bas. Donc, il y a plusieurs motifs qui peuvent justifier cet état de fait. La prison peut donc être un endroit qui ne corrige pas comme on le pense, qui peut même être un endroit qui aggrave surtout la situation des gens. Et quand ils reviennent à la société, là que la société est différente de la prison, peuvent toujours se comporter comme auparavant, malheureusement. La réinsertion suppose une responsabilité partagée entre la communauté elle-même, mais aussi l'individu qui doit être réinséré. Parce que ce dernier doit manifester son intention de pouvoir vivre encore une fois dans la société, dans la communauté dans laquelle on l'avait empêché de vivre. Mais aussi la communauté doit offrir des opportunités, des possibilités à cet individu qui revient dans cette communauté. Notamment la sensibilisation de nouveaux textes qui sont là, parce que la plupart des fois, d'ailleurs c'est toujours, c'est parce qu'on viole la loi qu'on est envoyé à la prison. Alors pendant la réinsertion, les pouvoirs publics, la communauté en général, devraient être à la hauteur de sensibiliser ou d'offrir des opportunités à ces personnes réinsérées pour que celles-ci ne commettent plus les mêmes infractions ou d'autres infractions. La triple taxation de l'hôtellerie des services de l'OBR est un des blocages identifiés pour le secteur du tourisme au Burundi. Ces propos ont été tenus par un expert en fiscalité hier lors des états généraux du tourisme. Nicodème Nimenya fait savoir que cela fait que des investisseurs privés qui veulent investir dans ce secteur de tourisme hésitent. Il indique plutôt espérer que le gouvernement pourra trouver une solution face à ce problème. De son côté, la ministre du Commerce a indiqué que la prochaine loi budgétaire pourra répondre à ces occupations. Le point avec Raissa Liliane Inamahoro. Pour cette deuxième journée des états généraux du tourisme au Burundi, tous ceux qui ont pris la parole ont donné leur point de vue sur ce qui devrait se faire pour attirer les touristes au Burundi. Un expert en fiscalité a indiqué que les taxes qui sont imposées dans l'hôtellerie sont un des faits qui minent le développement du secteur touristique. Selon lui, le gouvernement devrait envisager comment revoir la mise en application de ces taxes. Pour le secteur des hôtels, c'est la triple taxation. J'ai parlé de la triple taxation. Pourquoi ? Parce que les lois et règlements ont prévu une licence d'exploitation d'un hôtel. Or, comme pour qu'un hôtel soit réellement qualifié d'hôtel selon les lois, c'est qu'il faut prioritairement d'abord avoir un restaurant, il faut avoir un bar ou les autres, mais avoir une chambre, ça se comprend parfaitement. Une chambre qui répond aux normes. Avant, on payait les frais de cette licence d'exploitation, une seule fois. Et puis, avec la loi budgétaire et l'ordonnance conjointe du ministre des Finances, je pense du 24 août 2023, si j'ai bonne mémoire, et la loi budgétaire de 2023-2024, les deux textes de loi, ces règlements ont bien spécifié qu'il ne devrait pas y avoir une triple taxation. Or, ce qui est observé aujourd'hui, vous l'avez même suivi dans les discussions, c'est que l'Office mondial des recettes considère qu'aujourd'hui, un hôtel à part, un restaurant à part, un bar à part, donc ça fait trois types de taxation
qui sont considérés comme une triple taxation qui est prohibée par la loi. On nous a recommandé qu'il y ait, pour que l'administration, la Chambre fédérale, l'Office fédéral des recettes, la DB, se mettent ensemble, ne fût-ce que pour harmoniser les textes de loi en faveur de l'amélioration du climat des affaires et de la promotion du tourisme. Une demande faite également par les hôteliers étant dans ces assises. Le problème, ce n'est pas le montant des taxes, c'est le nombre des taxes. Si la taxe hôtelière, au lieu de la mettre 1 million, la mettait 10 millions, ce n'est pas un problème, on la paye, on connaît qu'on s'appelle l'hôtel. Mais si on veut prendre les mêmes 10 millions et vous mettre la taxe sur les chaises, la taxe sur les bars, la taxe, alors là ça devient la confusion. Quel est l'intérêt d'un pays et voir des entreprises fermées? C'est l'intérêt de voir des entreprises ouvertes, donc la fiscalité doivent travailler pour que les entreprises peuvent rester ouvertes. Le ministre du Commerce, de son côté, tranquillise. Tout ce qui concerne cette législation peut être revu dans la prochaine loi budgétaire 2024-2025. 2023-2024. Aujourd'hui, on est au mois de février. Nous commençons le processus d'élaboration de la loi budgétaire 2024-2025. C'est le moment opportun alors d'apporter toutes les propositions par rapport aux différentes dispositions qui ont causé problème ou qui font obstacle ou qui freinent le développement de certains secteurs. Une des recommandations sorties de ces états généraux est à l'endroit du ministère en charge des Finances de remettre en place le crédit de l'impôt pour le secteur du tourisme. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.